Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de journée portes ouvertes virtuelles live à Gros Campus Ouest. On est très content de vous faire ce direct depuis notre amphi Matagrin sur le campus de Rennes. Donc le plateau, en fait, on va discuter avec Romain Jantet qui est directeur de la recherche à Gros Campus Ouest et Bruno Gadou qui est directeur des formations et de la vie étudiante. On va discuter à trois, puis ensuite on aura les témoignages de nos jeunes diplômés. Donc c'est quatre diplômés des quatre cursus d'ingénieurs d'AgroCampus Ouest qui ont été diplômés là tout récemment cet hiver. Et on pourra évidemment interagir, vous pourrez nous poser vos questions en direct dans le live. On pourra vous répondre à la fois sur le plateau, les diplômés et évidemment dans le chat. On sera très content de prendre vos questions. À partir de 15h, vous pourrez vous connecter sur les salons virtuels qui seront ouverts. Vous trouverez toutes les informations dans la barre d'informations sous la vidéo, sous le live, pour vous connecter aux différents salons dans lesquels vous pourrez retrouver les enseignants-chercheurs, les équipes administratives et surtout les étudiants de l'école. Donc, bienvenue sur ce plateau. Et donc, du coup, on va commencer la discussion avec une question qui est importante sans doute pour nos internautes. C'est AgroCampus Ouest, c'est une grande école, c'est une grande école d'ingénieurs publics. Et donc, en quoi c'est une grande école? Qu'est-ce que c'est qu'une grande école? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grande école? Bonjour à tous. Je prendrai un parallèle peut-être avec une allégorie de la cuisine. Je dirais que quand on fait des études supérieures, eh bien, c'est un peu comme quand on fait la cuisine. On doit sélectionner des ingrédients et puis ensuite on doit suivre une recette. Et ce qui distingue une grande école des autres formations supérieures, c'est à l'évidence finalement et les ingrédients et la recette. D'une part parce qu'on sélectionne les meilleurs ingrédients, parce qu'on est sur des processus de recrutement qui sont sélectifs, et c'est tout à fait net dans les quatre cursus d'ingénieurs. Et d'autre part parce que la recette des études est très différente de celle qu'on peut avoir par exemple à l'université. On commence par deux années qui sont des années, ou une année à intégrer, qui sont des années de préparation et qui sont des années intensives finalement sur le plan disciplinaire et académique. Et on mobilise ensuite cette connaissance pour acquérir un savoir qui est beaucoup plus à grand angle, qui marie les disciplines. On parle d'approche intégrative, c'est-à-dire qu'on intègre les différentes disciplines pour répondre à des sujets complexes. Et un des éléments qui fait et qui façonne l'ingénieur de manière différente d'un étudiant universitaire, c'est le rapport à la recherche qu'a l'établissement. On est ici dans une recherche qui est une recherche finalement à visée applicative sur des problématiques qui sont des problématiques sociétales, l'environnement, l'alimentation par exemple, et qui mobilise de très nombreuses connaissances. Et on est très loin finalement d'une recherche beaucoup plus disciplinaire d'excellence académique que mènent les universitaires. Et ça conforme finalement les enseignants, chercheurs de l'établissement de manière très différente de ceux de l'université. Donc ça c'est ce que je pourrais dire pour démarrer. C'est ça, une des particularités des grandes écoles. Et du coup, du point de vue des formations, peut-être Bruno, les particularités d'une grande école. Bonjour. Alors la particularité des grandes écoles à l'origine, c'était de recruter des étudiants à l'issue des classes préparatoires. C'est-à-dire que le schéma de fonctionnement d'une grande école, c'était de recruter des étudiants qui avaient fait 2 ans de classe prépa, maths sup, maths spé par exemple, pour ensuite être formés pendant 3 ans dans l'école. Nous, on a conservé ce système historique, mais on l'a grandement diversifié par le fait qu'on recrute des étudiants issus d'autres cursus que les classes préparatoires, c'est-à-dire les DUT, les licences, les BTS, et on a également ouvert 3 de nos spécialités directement après le bac, donc avec un cursus en 5 ans. Donc on est à la fois une grande école en mode traditionnel, et puis en même temps, pour à peu près moitié-moitié, on recrute des étudiants sur des modes très, très différents. Et donc on a une diversité d'étudiants qui est vraiment très intéressante. Ce qu'on a également comme particularité, c'est que les compétences sont acquises par l'enseignement dispensé par les enseignants-chercheurs adossés à la recherche, mais également avec énormément de stages en entreprise, en laboratoire, en association, en collectivité, etc. On a une dimension internationale obligatoire puisqu'il y a
mobilité internationale de 3 à 6 mois dans tous les cycles de formation, évidemment perturbé en ce moment. Et puis dernier aspect qui est très complémentaire de la formation, c'est la vie dans l'école vécue par les étudiants avec une vie associative très riche et très complémentaire de l'enseignement. Et tout ceci fait qu'une fois diplômés, nos anciens rejoignent des associations, les alumni, et retrouvent la grande famille des diplômés de la sphère agro. Et c'est vrai que ce sont, juste pour rebondir, ces diplômés, ils sont souvent dans le privé, hein, beaucoup plus que dans le public, au sein d'entreprises, dans les territoires, ils sont porteurs un peu de ces enjeux intégratifs, systémiques qu'on évoquait précédemment, et on les associe très très fortement à la formation. Hein, au-delà des stages et du travail des enseignants-chercheurs, la part, dirais, des professionnels dans la formation est tout à fait considérable, et ça c'est sans doute aussi un point différent. Et du coup, parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, et je sais que moi je le connaissais pas, est-ce qu'on peut définir systémique dans nos enseignements? Parce que c'est... Systémique, c'est la capacité de raisonner finalement une problématique à différentes échelles, et en intégrant finalement toutes les interactions dans, qui se jouent dans ce système. Par exemple, si je m'intéresse à l'écosystème, par exemple, du golfe de Gascogne, une approche systémique, c'est une approche qui va non seulement se fonder sur la connaissance des espèces, de leur biologie, mais aussi des interactions qui peuvent exister entre elles, et au-delà des espèces animales ou végétales qui sont présentes, des autres acteurs de ce système, qui peuvent être évidemment les pêcheurs, les organismes de régulation, etc. Et donc on va essayer de dresser finalement une cartographie, hein, des interactions qui existent dans l'ensemble du système, pour en maîtriser complètement les composantes. Je prends cet exemple-là, on pourra en trouver bien d'autres. Ouais, mais et donc si on pour nos voilà pour nos lycéens, qu'est-ce que ce serait un ingénieur AgroCampus Ouest? Alors un ingénieur AgroCampus Ouest, c'est un ingénieur au sens où il maîtrise les disciplines classiques de l'ingénieur, que sont les mathématiques appliquées particulièrement aux sciences des données, le numérique, la physique appliquée, la chimie, tout le volet qui traite du vivant, biologie, écologie, sciences de la vie et de la terre. On a également un volant très fort de compétences qui tourne autour des sciences sociales, économiques et de gestion et géographie. Donc voilà le cadre, le terrain de jeu et les ingrédients de base que les étudiants doivent maîtriser pour ensuite les développer dans des contextes professionnels différents. Le contexte de l'agroalimentaire, le contexte de, tout à l'heure on parlait du golfe de Gascogne, le contexte de l'halieutique, de la pêche, de la mer, le contexte de l'élevage, le contexte des productions végétales, le contexte du paysage, du cadre de vie, etc. Et dernière chose, on développe ou on permet aux étudiants de développer ce qu'ils sont en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'acteur, donc le leadership, la communication, l'interculturalité, notamment à travers les expériences internationales, le management, le fait de pouvoir parler et d'échanger et de se trouver en interaction avec des personnes qui ont des compétences complémentaires des siennes. Et l'approche systémique, elle est aussi importante en ça, c'est-à-dire que l'ingénieur, il permet d'assembler, de mettre en cohérence des approches qui sont non seulement additives, mais qui font ensemble plus que l'addition. Donc Bruno a répondu sur, quelque part, le corps même de l'expertise d'ingénieur AgroCampus Ouest. Moi, j'insisterai un peu sur la dimension de métissage qu'on a dans cet établissement, parce que je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, on est la première école française pour le recrutement post-bac. Dans nos filières de recrutement, par nos filières de recrutement, on métisse énormément finalement l'origine des étudiants. Et ça, c'est une richesse qui est absolument incroyable. Par ailleurs, on est la seule école agro de France qui a pris depuis maintenant presque 25 ans l'initiative de décréter quasiment un semestre complet à l'étranger pour, par exemple, ses spécialités agronomiques ou agroalimentaires. Et ça, c'est une ouverture au monde, une ouverture et un façonnement un petit peu de la personnalité et des formes d'humanité qu'on donne aux étudiants et qui sont tout à fait extraordinaires. Et je crois que entre ces approches-là, les stages qu'on a déjà évoqués
Et ce mélange qui se fait, sans parler de la mobilité entrante, hein, il y a 200 étudiants qui viennent du monde entier, qui partagent finalement le quotidien d'études des ingénieurs d'AgroCampus Ouest par le biais de master, on a quelque chose qui est quand même relativement unique. Et je crois que, en tout cas, beaucoup de joie, vous le verrez avec les étudiants qui vont, les ex-étudiants qui vont parler après, beaucoup de joie et de bons souvenirs et, qui se dégagent de tout ça. Tout à fait. Et on a fait le choix ici de ne pas aborder comme on l'avait fait. Je vous renvoie au live qu'on a fait le 30 janvier sur les modalités d'admission à AgroCampus Ouest. Et je vous renvoie également au site qui est dédié à cette information, qui est donc découvrir.agrocampus-ouest.fr, où vous pourrez retrouver vraiment toutes ces informations sur les modes d'admission et d'accès, aussi bien post-bac en L3, et je vous invite évidemment à poser vos questions sur le live. Donc, on a une première question sur une année de césure juste après l'admission à l'école. Alors là, je vous laisse répondre, mais je crois que c'est pas trop possible. C'est Amaury. l'année de césure juste après l'obtention du baccalauréat, ça c'est exceptionnel, mais ça peut se produire. Pour nous, l'année de césure, sa place, c'est avant la dernière année de formation. C'est la place classique qu'a l'année de césure dans les grandes écoles. Mais on a aussi la possibilité, qui est un peu plus dérogatoire, de la césure avant d'entrer dans l'école. Et on a notamment eu cette situation pour des étudiants qui souhaitaient renforcer leurs compétences linguistiques et qui donc avaient préalablement à l'entrée dans l'école déjà mis en place une année de mobilité internationale. Donc on va prendre un premier témoignage, celui de Maëva Durand. Donc on va contacter Maëva qui est jeune diplômée. Bonjour Maëva qui va bientôt m'entendre. Bonjour Bonjour Maëva. Maëva. Merci d'être Merci d'être là. là. Alors, du coup, voilà, je vais vous poser quelques questions pour qu'on puisse échanger sur votre parcours à AgroCampus Ouest. Donc, comment, d'abord, première question, quel a été votre parcours pour entrer à AgroCampus Ouest? J'ai eu un parcours un peu compliqué. Donc après mon bac S, j'ai fait un an de prépa BCPST. Après, j'ai continué sur un IUT génie bio en agro, qui a duré 2 ans. Là, j'ai tenté le concours C2, qui permet du coup d'ouvrir aux écoles d'ingénieurs agro publics. Et j'ai fait le choix de tenter une prépa ATS derrière pour tenter le concours veto et ingénieur agro. Et j'ai atterri à AgroCampus Ouest, donc avec ce concours C. Atterri, mais un bel atterrissage quand même. Un atterrissage heureux. Oui, parce que j'étais prise au C2 et je voulais ne pas avoir de regrets et tenter le concours veto. Et finalement, j'ai pas eu à choisir, donc c'était encore mieux. Super. Et donc, vous êtes spécialisée en sciences et ingénierie des productions animales. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, une spécialisation dernière année dont le petit nom est SIPA. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser en SIPA, enfin en production animale? Je voulais garder ce côté santé des animaux, donc ça me permettait vraiment de lier les deux. Après, j'avais un goût pour l'espèce porcine, c'était une espèce que j'aimais bien, enfin avec laquelle je voulais vraiment travailler. Et donc c'est ça aussi qui a fait que j'ai choisi AgroCampus Ouest, puisqu'on était dans le bassin de production porcin, et c'était vraiment une spé que je voulais faire là. Aussi parce qu'on a la possibilité de pouvoir vraiment, même quand on choisit l'option production animale, de pouvoir choisir ses cours, ses dominantes, ses options. Ce qui fait on peut vraiment le personnaliser. Parce que la PA, c'est très. Enfin, déjà, l'agronomie, c'est vaste, mais la PA, c'est vaste. Puisque là, si je regarde. L'APA, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent peut-être pas, c'est la production animale. Enfin, les productions animales. C'est même les productions animales, on va dire. Parce que c'est très vaste. On peut très bien travailler en génétique, en nutrition, travailler en tant que commercial, en recherche, en conseil aux éleveurs, autant sur la chèvre que le porc, que la vache, que la volaille. Donc c'est vraiment vaste.
Et dernier point, je pense, qui est super important, c'est quand on fait 5 ans d'études, on a envie qu'il y ait du travail derrière. Et là, je sais que dans ma promo, on doit être plus que 90% qu'on trouvait un poste à 3 mois après la fin de notre scolarité et dans le contexte actuel. Du coup, c'est vraiment, je pense, un point aussi qui est important. Actuellement, je suis en doctorat et on me demande encore, on m'envoie des offres, on me contacte pour du travail, en fait. Ouais, là, c'est sûr que ça peut faire rêver. Et du coup, c'est une transition parfaite. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Un doctorat à l'INRAE, donc un institut de recherche, où je travaille en fait sur le lien entre bien-être, santé et nutrition chez la truie au cours de sa gestation. Et donc, ça consiste en quoi? Enfin, en gros, pour très rapidement. Un doctorat, c'est je suis salariée de l'INRA, donc j'ai un salaire comme n'importe qui, et je conduis des recherches où je mène des expérimentations. J'ai une partie informatique où on développe des capteurs pour justement mesurer tout ce qui est bien-être et santé et l'inclure en fait dans la nutrition. D'accord. Est-ce que vous auriez alors pour en revenir à vos études, est-ce que vous auriez un souvenir de votre vie à Agrocampus Ouest à partager avec les internautes qui vous regardent? Pendant ces 3 ans, on a pu voyager. Bon, c'est le contexte le permettait. On a pu visiter des entreprises, faire des voyages d'études. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué en première année, c'est que j'ai pu aller en Belgique. C'était la première fois que j'y allais. Et donc j'étais contente de voyager avec les gens de ma promo. Donc, la découverte de l'international, en fait. Bon, la Belgique, mais quand même l'international. Après, il y a quand même le stage de 6 mois qui permet aussi de vraiment s'ouvrir à l'international, enfin de 5 mois, mais en Et plus, on fait des petits voyages. que vous avez fait, du coup, votre stage, vous l'avez fait. J'ai fait au Danemark. J'ai fait le choix d'associer 2 stages pour faire 5 mois et demi au Danemark. Et est-ce que vous auriez un conseil pour les futurs candidats à Agrocampus Ouest qui nous regardent? Bah, je dirais au vu de mon parcours que quand on sait, ou on a en tout cas des goûts pour telle ou telle voie, que peu importe finalement le chemin qu'on va prendre, on va quand même réussir à trouver ce qu'on veut. Et je pense qu'en agronomie ou en PA, trouver ce qu'on veut, c'est quand même assez facile. Bah, merci beaucoup, Maëva. Et puis, je regarde si vous avez s'il y a des questions en particulier pour vous, mais pas spécialement sur voilà, sur ce que vous nous avez partagé. Donc, bah, merci beaucoup, Maëva. Et puis, bah, n'hésitez pas à rester sur le chat si vous avez s'il y a d'autres questions à poser à Maëva, elle sera présente sur le chat avec nous. Merci. Merci. On a des questions là-dessus sur la partie internationale des cursus qu'on propose. Moi, je voulais surtout revenir sur le fait que avec un diplôme d'ingénieur, on peut poursuivre ses études et après ingénieur ou master, la poursuite des études, c'est le doctorat, et on peut totalement suivre ses études. En étant salarié, hein, on est étudiant, mais en même temps, on est déjà chercheur. À peu près, selon les années, entre 10 et 15% des diplômés enchaînent assez rapidement sur un doctorat. Et ça fait partie des. C'est minime, hein, par rapport à l'ensemble de la population, mais ça fait partie des trajectoires professionnelles ou des débuts de trajectoires professionnelles assez banales. Le doctorat n'est pas réservé aux universitaires, vraiment pas. Non, pas du tout. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est même un diplôme qui s'est considérablement développé dans les 20 dernières années, non seulement au niveau mondial, global, mais au niveau d'Agrocampus Ouest de la même manière, et qui a tout son intérêt. On peut dire que un ingénieur, c'est quelqu'un qui a toute la boîte à outils, hein, pour finalement s'attaquer à des problématiques un peu complexes, pluridisciplinaires. Et un docteur, donc qui a complété comme Maëva sa formation par 3 ans de recherche, alors c'est de la recherche, hein,
mais par 3 ans de recherche dans le domaine qui était son domaine de spécialité, elle devient une experte, en fait. C'est-à-dire qu'elle a l'expertise, elle est experte de ce domaine, au niveau non seulement français, mais international. Et le doctorat, le PhD, comme disaient les anglo-saxons, pour philosophical doctor, ou doctor en philosophie, hein, c'est un titre qui a une valeur internationale. Donc si vous avez ce titre-là, je dirais que vous avez la possibilité de faire carrière à l'international d'autant plus facilement, c'est déjà possible pour les ingénieurs, hein, on y reviendra peut-être, mais on a pour les formations post-bac 10% de placement international dès la sortie, hein, de l'école, 50% après 10 ans, ça c'est, je dirais, ça se trouve pas ailleurs en France, je le dis vraiment comme je le ressens. Oui, c'est vrai. Voilà. Et un doctorat, pour mémoire, c'est 3 ans. 3 ans, Donc, c'est prévu sur 36 mois exactement. Plus ou moins un modulo de 1 ou 2 mois, hein, mais c'est 3 ans. Mais 3 ans, ça passe vite. Hein. Alors évidemment, quand on arrive au bac ou quand on se pose des questions et qu'on est au début de ses études, se dire qu'on les rallonge de 3 ans, ça paraît quelque chose d'un peu fou. Mais il faut le voir différemment. D'abord parce que quand on sort, le temps a passé, que le temps passe aussi un peu plus vite. Et puis parce que finalement, c'est pas 3 ans où on est étudiant, c'est 3 ans où on est payé, encore une fois. Et où on doit réaliser finalement un travail de recherche qui est extrêmement formateur. Et puis on est salarié comme Exactement. les Maeva, donc c'est vrai que Exactement. c'est des études, mais plus vraiment comme C'est des dans. études qui comptent pour la retraite. C'est des études qui comptent pour la retraite, Ah. exactement. Donc du coup, on va passer au témoignage de Pierre Babi, qui est également jeune diplômé de l'école. Donc Pierre est en ligne. Et nous. Alors, je ne le vois pas pour le moment, mais il va nous entendre. Bonjour Pierre. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Alors, Alors, merci d'être merci avec d'être nous, avec nous, Pierre. Pierre. Donc, Donc, vous êtes jeune diplômé depuis 2020 2020 également. également. Et Et je vais vous poser je les vais mêmes vous poser questions les qu'à mêmes questions qu'à Maëva. Quel a Maëva. Quel a été été votre votre parcours parcours pour pour arriver arriver à à Grand Grand Campus Campus Ouest? Ouest? Alors, Oui, c'est oui, bon, on vous c'est bon, je entend. vous entends. Non, là on Non, ne vous là, on ne entend vous entend plus. plus. Désolée Désolée Pierre, du Pierre, coup du on coup on va. va. Effectivement, on a un Effectivement, on a un problème de problème de micro. micro. Donc Donc Pierre Pierre est jeune est jeune diplômé diplômé en en ingénieur en ingénieur en horticulture horticulture et et il il travaille travaille à à la la direction direction de de l'INRAE. l'INRAE. Donc ce serait Vraiment bien qu'il vraiment puisse bien nous en qu'il puisse nous parler. en parler. Du coup, en attendant que Pierre puisse nous en parler, donc l'INRAE, c'est un organisme de recherche. C'est l'organisme de recherche. De référence dans le Voilà. domaine de l'agronomie, de l'alimentation, de l'environnement. Et donc, en fait, c'est, on peut dire, le petit frère du CNRS. Donc, en France, hein, alors depuis François Ier, Oui, quand même, hein? parlons-en, les pouvoirs publics ont toujours eu les régnants ont toujours eu tendance à essayer de diviser pour mieux régner, et notamment de créer des instituts de recherche. François Ier, c'était le Collège de France, hein, qu'il a mis en face de la Sorbonne, donc des instituts de recherche à Vous part m'entendez cette entière. fois-ci? C'est Ah bon, ça marche. oui, Voilà. c'est bon, on a retrouvé Pierre, on était du coup en train C'est moi. de parler L'INRAE. de l'INRAE, puisque c'est un organisme, l'organisme où vous Où vous travaillez. travaillez. Donc, je vous demandais quel avait été votre parcours pour rentrer à Agrocampus Ouest. Alors, mon parcours pour rentrer à Agrocampus, en fait, comme beaucoup à Agrocampus Ouest Angers, je suis passé par le cursus post-bac. En fait, j'ai fait un bac scientifique. Moi, je viens de banlieue parisienne, donc un bac en banlieue parisienne et un bac S. Et je suis rentré après le bac directement en L1, du coup, enfin, cursus horticulture, enfin, mixte horticulture-paysage à Angers. D'accord, et donc du coup, c'est un processus de sélection, voilà, avec un dossier, un entretien, mais les internautes pourront retrouver tous les détails dans les salons à partir de 15 h sur les modes d'admission. Et ensuite, vous avez choisi de vous spécialiser en protection des plantes et environnement, et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette spécialité? Exactement. En fait,
Après le bac, moi je suis rentré dans l'école à la base pour faire de la protection, enfin, de la sélection végétale au début, de la sélection variétale, et je m'orientais vers la génétique. Et en fait, en première année à l'école, je me suis rendu compte que je pouvais lier ma passion avec mon travail. Et donc moi, je suis passionné d'entomologie, donc j'aime beaucoup les insectes. Et en première année, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais travailler avec cette passion et en faire mon métier. Et donc j'ai poursuivi donc mon cursus et je suis arrivé en dernière année. J'ai choisi la protection des plantes et de l'environnement appliquée à l'horticulture, où c'était vraiment l'occasion de pouvoir travailler sur les ravageurs, mais sur les insectes en fait de manière plus générale. Et donc les allier les deux, c'est-à-dire faire de exactement faire ce qui est quand même un peu le rêve, hein. C'est... Exactement, ce qui oui c'est le rêve pour beaucoup. C'est Confucius, je crois, qui disait faites de votre passion votre travail et vous n'aurez pas à travailler un seul jour dans votre vie. C'est exactement ça. C'est exactement et ça. Donc aujourd'hui, vous avez fait de votre passion votre travail et qu'est-ce que vous faites ? Alors, en ce moment, je termine mon contrat, donc mon premier contrat de travail. Je travaille en fait, je suis rattaché au collège de direction de l'INRAE, donc à Paris, et je travaille sur un dispositif gouvernemental qui vise à la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, c'est l'utilisation des produits chimiques en agriculture. Et donc, je travaille avec sur un dispositif qui permet de réglementer l'utilisation en fait et d'encourager les distributeurs de produits chimiques à réduire grandement leur vente et en fait à orienter la vente vers des solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Donc c'est au sein d'une politique publique. Donc dans mon travail, en fait, je travaille avec les firmes et avec des instituts techniques notamment sur comment faire en sorte que les agriculteurs aient des solutions fonctionnelles sur en méthode alternative aux produits chimiques et comment concrètement est-ce que ces solutions alternatives permettent de réduire l'utilisation, quelle quantité de produits est-ce qu'on peut économiser avec les différentes pratiques alternatives, quoi. Donc des vrais questionnements. C'est ça, ouais, très technique et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on est rattaché à beaucoup d'instituts, on a beaucoup de liens avec les instituts techniques, mais aussi avec les firmes, donc c'est l'occasion de voir énormément de choses différentes. Ouais. Et est-ce que vous auriez donc un souvenir de votre vie étudiante à partager d'AgroCampus Ouest? Alors, d'AgroCampus Ouest, j'en ai énormément. La vie étudiante à Angers est vraiment très riche. Je pourrais parler de l'exposition florale, qui est un projet étudiant qui regroupe vraiment toute l'école et qui est passionnant. Peut-être qu'il y aura des questions dans le chat, on en reparlera peut-être plus tard. Moi, ce qui m'a vraiment marqué à l'école, c'était l'occasion de pouvoir monter, en fait, j'ai pu monter une association au sein de l'école avec des amis autour des insectes justement et autour d'une pratique assez nouvelle en Europe qui est l'entomophagie en fait. On a pu monter une association au sein de l'école sur la production des insectes en fait et pouvoir proposer aux autres étudiants une dégustation à la fin de l'année sur des insectes qu'on avait produits au sein de l'école. Donc c'était vraiment très intéressant et c'est très enrichissant de se dire et de découvrir qu'on peut partager sa passion et la vivre en fait au sein de l'école. Ah oui, c'est meilleur que c'est allier le meilleur dans ses études et dans sa vie. C'est ça, c'est vraiment ça. Et est-ce que vous auriez un conseil donc par rapport à votre parcours aujourd'hui entre les études et le poste que vous occupez pour les internautes? Moi, s'il y a un conseil que je peux donner, je pense que ça rejoindra peut-être un petit peu ce qu'a dit Maëva avant, mais il faut vraiment faire des choses qui vous plaisent et pour lesquelles vous avez envie de vous lever le matin en fait. Moi, c'est la chance que j'ai eue avec l'école, c'est de vraiment pouvoir faire quelque chose qui me passionne et de travailler de ma passion. Quoi qu'il arrive, l'école vous laisse suffisamment de liberté et vous ouvre suffisamment de voies et de portes pour faire ce qui vous plaît et pour toucher à des choses qui vont vous passionner. C'est aussi l'occasion de se découvrir. En fait, moi, il y a des choses que je fais maintenant que je ne me serais pas imaginé capable de faire il y a quelques années encore. Et l'école m'a vraiment permis d'ouvrir mon champ de vision sur tout ce qui était possible et sur comment allier sa passion avec son travail. C'est vraiment l'état d'esprit dans lequel il faut être, je pense, pour rentrer à l'école, c'est primordial.
Ben, merci beaucoup pour ce témoignage, Pierre. Et puis, restez connectés. Voilà, s'il y a des questions pour vous sur le chat, là, enfin, effectivement, il y avait une question. Donc, oui, le cursus d'horticulture et paysage que Pierre a suivi est uniquement sur le campus d'Angers. Et la spécialisation en horticulture ou en paysage intervient, je crois, à partir de la troisième année. Troisième année, ouais. En fait, si, je ne sais pas si vous voulez que je réponde à cette question rapidement, mais en fait, à Angers, on est sur quelque chose d'assez global les trois premières années, mais on reste quand même assez spécialisé. Donc, on a des matières plus générales, mais on touche quand même à l'horticulture et on est dès le début sur le terrain. Donc, c'est des choses qui sont vraiment… Enfin, c'est l'occasion de mettre quand même le pied à l'étrier sur ces matières-là, ouais. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. N'hésitez pas à rester avec nous sur le chat pour répondre aux questions des internautes. Merci. Très bien. Merci. Merci. Et du coup, c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Pierre, il y a un grand choix de spécialisation dans notre école qui est offert aux étudiants. On peut peut-être les balayer très vite puisqu'elles seront accessibles ensuite dans les salons virtuels à partir de 15h. Alors, le balayage, autrefois on disait de la fourche à la fourchette, ouais. Et on ajoutera le cadre de vie, c'est-à-dire toute la chaîne de l'alimentation, depuis la production des fameux ingrédients de tout à l'heure, jusqu'à l'alimentation telle qu'elle arrive dans l'assiette, telle qu'elle est commercialisée, et tout ce qui rend des services à cette chaîne. Donc on traite de tout ça, plus toutes les questions du cadre de vie, c'est-à-dire que l'environnement dans lequel on vit, qu'il soit urbain, plus rural, fait aussi partie de nos préoccupations. Et tout ça, on le vise à travers les transitions, c'est-à-dire que les façons de faire, les façons de vivre, les façons de consommer, de travailler évoluent. Les attentes de la société sont de plus en plus fortement marquées vers le développement durable, l'économie, d'énergie, le respect de la biodiversité, etc. Et donc on inscrit nos étudiants dans ces démarches-là. Et là on en a eu l'illustration avec une étudiante qui travaille sur le bien-être animal et puis un autre qui travaille sur la réduction des produits phytosanitaires. Et on pourrait avoir d'autres exemples. Alors, oui, du coup, Juste quand même un point, parce que Bruno s'est arrêté à la fourchette, on va quand même un tout petit peu plus loin, on va même, si j'ose dire, jusqu'à la cuvette, parce que ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est de comprendre comment on digère, comment on déconstruit les aliments. Et c'est des sujets qui sont des sujets tout à fait actuels également, hein, et donc qui nous mobilisent, là encore, hein, tant en formation qu'en recherche. Et je veux revenir un tout petit peu là-dessus, si j'ai deux minutes, parce qu'on est quand même, comme vient de le dire Bruno, sur des fronts de science, hein, c'est des choses très actuelles. Pour renseigner ces choses-là, on a besoin d'être adossé à une recherche qui est forte. Et donc, on a parlé d'INRAE, donc, et après le CNRS, le deuxième institut français de recherche, 11 000 personnes. Nous, au total, sur Agro Campus Ouest, on a 170 cadres scientifiques d'INRAE qui travaillent dans nos unités conjointes, hein, aux côtés des 130 professeurs et maîtres de conférences d'Agro Campus Ouest. Donc, c'est un collectif de recherche de 300 personnes. Et ça, par exemple, on peut le dire, ça n'a pas d'équivalent dans les écoles privées. Si vous voulez vous spécialiser sérieusement, hein, dans ces domaines-là, vous avez besoin d'être adossé à une recherche qui est au meilleur niveau. Et ça n'est possible, c'est juste un fait, hein, en France, que dans la sphère publique. Donc ces écoles publiques se distinguent d'abord des écoles privées, hein, qui peuvent avoir des cursus tout à fait honorables, donc, je dirais, au plan de la formation, mais par l'adossement à la recherche, qui est quelque chose d'absolument fondamental. Tous nos enseignants-chercheurs, encore une fois, vont de par le monde, ont les meilleures connexions au niveau, je dirais, mondial sur leur sujet, publient en moyenne 1,5 articles scientifiques par an. Bon, on pourrait aujourd'hui, ce sont résolument dans le modèle anglo-saxon de l'université de recherche, et je crois que ça, c'est très important. Et il ne faudrait pas croire justement que cette recherche est complètement... parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment de la recherche, de la recherche justement avec tout le travail qui a été fait sur les vaccins pour le Covid. Et on a... peut-être que tu peux donner un exemple de recherche
très concrètes que le public connaît et qui vient de nos... Des exemples, il y en aurait beaucoup. Alors, est-ce que le public les connaît ? C'est pas toujours évident, mais on peut donner des exemples. On peut travailler, par exemple, à réduire les pesticides. C'est ce qu'on vient c'est de ce dire. Que fait, voilà, par des approches de lutte intégrée. Par exemple, des choses qui sont très, très jolies. Vous avez dans le sol des vers qu'on appelle les nématodes. Et en fait, les œufs éclosent des hormones racinaires sont présentes dans leur environnement. Eh bien, on s'est rendu compte qu'en traitant des parcelles avec les hormones racinaires, donc on fait produire aux plantes, c'est pas du tout une approche chimique pour le coup, eh bien, on était capable de faire finalement éclore les nématodes alors qu'elles n'ont pas de quoi se nourrir, les plantes ne sont pas là. Et au bout de 3 jours, elles sont mortes et on peut ensuite planter la parcelle et avoir finalement une diminution des ravageurs considérable. Tous les dispositifs de lutte intégrée sont passionnants. Il y a beaucoup de choses sur le bien-être animal qui a été dit aujourd'hui et qui est de plus en plus, je dirais, scruté. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit castrer un porc pour consommer sa viande ? On se rend compte que ça n'est pas systématiquement nécessaire. Mmh. Et il y a énormément de travail qui est mené dans le sens. Beaucoup de choses autour de la digestion des produits ou autour de la conception des produits alimentaires. Alors, on travaille aujourd'hui, par exemple, à des formules infantiles pour nourrissons, mais qui incorporent des protéines végétales. Hein, parce que c'est une des grandes questions, est-ce qu'on est capable de faire des mix animaux, végétaux, est-ce qu'on est capable de supprimer tous les ingrédients qu'on voit sur les listes d'étiquettes, les ingrédients qui comportent des conservateurs, des épaississants, etc. Oui, on est capable de le faire et on travaille à une voie tout à fait classique, c'est-à-dire fondée sur des procédés pour résoudre ces problèmes-là. Mmh. Bon, voilà quelques exemples, mais il y en aurait bien d'autres à décrire. Et je crois que ce qu'a dit Bruno est quand même remarquable. À l'évidence, un des points qui distingue l'établissement, c'est son emprise thématique. On va de l'animal au végétal, à l'environnement, au cadre de vie, c'est considérable. Et du coup, on va prendre le témoignage pour enchaîner de Lucie Rabier, qui est une de tes anciennes étudiantes. Oui, parce que je n'ai pas dit, mais je suis directeur de la recherche, je suis professeur également dans l'établissement. Professeur dans l'établissement, et donc Lucie a eu la chance de t'avoir en cours. Et c'est réciproque. Voilà. Et Lucie est connectée, je pense. You are now unmuted. On va donc... Donc Lucie n'est pas avec nous. Elle est même très loin de nous. Mais elle... Donc Lucie, elle a fait un parcours post-bac, agroalimentaire. Elle va le raconter. Ouais. La voilà. Voilà. Bonjour Lucie, est-ce que tu nous entends ? Je vous entends très bien. Donc merci d'être là. Est-ce que tu peux nous dire pour rentrer à AgroCampus Ouest ? Alors du coup, moi j'ai intégré AgroCampus directement après le bac, donc après un bac S, et je suis restée pendant 5 ans du coup. Donc c'était un vrai... Donc le parcours, mais on ne va pas le détailler, c'est une sélection, tu as un dossier, puis un entretien, je crois. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une présélection des dossiers. Et à la suite de ça, on est convoqué à des entretiens. Et après, à la suite de ces entretiens, on sait ou non si on continue, si on commence et si on continue l'aventure, entre guillemets. Voilà. On a la chance de passer 5 ans à AgroCampus. C'est ça. Avec quand même un an et demi de stage. Avec un an et demi de stage, c'est vrai, comme dit Romain. Donc, on n'est pas. Exactement, oui. C'est vrai que c'est très intéressant, ouais, au niveau des stages, parce que en troisième, quatrième et cinquième année, on a à chaque fois 6 mois de stage et c'est super enrichissant pour nous, quoi. Associé en Chine. Je ne sais pas si tu entends bien Romain qui disait que... J'entends pas Romain. Romain disait qu'il t'avait envoyé dans un laboratoire, justement, en Chine. Pour, oui. Stage. Oui, c'est ça. J'étais avec une de mes amies. On a passé 4 mois là-bas. Et c'était super intéressant culturellement parlant. C'est vrai que ça change du tout au tout. Ah, ça, j'imagine. Et du coup, tu avais choisi une spécialisation en sciences et technologies laitières, c'est ça ? Oui, c'est ça.
Et du coup, j'avais choisi cette spécialisation tout simplement parce qu'en fait, je suis originaire du milieu agricole. Enfin, mon papa a des vaches laitières. Donc, pour moi, ça me semblait intéressant de connaître un petit peu le processus de transformation de cette matière première. Et puis, en plus, c'est vrai que c'est super intéressant de se rendre compte de tout ce qu'on peut faire à partir d'une même matière, en fait. Et puis pas n'importe laquelle, le lait. Donc, C'est ça. et est-ce que tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, du coup, aujourd'hui, je suis en poste, ça va faire 6 mois, j'ai commencé en septembre, chez Lactalis, plus précisément dans une usine qui fabrique le Loupérac, les briques de brebis. J'ai intégré en tant qu'ingénieur pépinière, donc en gros, c'est des postes où on commence par être chef d'équipe. Donc là, j'ai une équipe d'à peu près 20 personnes et on évolue avec les années sur des postes avec plus de responsabilités. Donc, là, c'est ton premier poste chez Lactalis, mais a priori, tu pourras voilà, continuer une carrière d'ingénieur cadre chez Lactalis. Oui, Ça voilà, c'est passe ça. bien. Tout à fait. Et du coup, le poste m'avait été proposé à la suite de mon stage de fin d'études. Également chez Loupérac ou. Alors, j'étais chez Roquefort Société, mais donc Lactalis aussi. Et suite à ça, ils m'ont proposé ouais, le poste là que j'occupe actuellement. D'accord. Et est-ce que tu peux partager avec nous un souvenir de ta vie à Gros Campus Ouest? Je vais dire que ce qui me marque le plus, je pense que ça va parler à Romain, c'est comment dire, la dégustation de fromage qu'organisait tous les ans avec l'aspect sciences et technologies laitières. C'était super intéressant. Parce que je crois que vous êtes des spécialistes, vous êtes capable de. Voilà, il y a toutes sortes de fromages, vous en produisez, non? C'est ça, vous faites des. Il me Alors, semble. on en fait, avec l'aspect, on fait du fromage, ouais. On a 2 semaines de TP. Et là, c'était vraiment de la dégustation pour découvrir un petit peu toutes les différentes sortes de fromages, quoi, et recouper quand même un petit peu avec les technos qu'on peut voir en cours. Donc, c'est super intéressant. De la géographie et de l'histoire culinaire. Des choses qu'on aime bien faire, hein, parce que c'est notre patrimoine aussi. Et c'est une diversité qui est incroyable. Et puis, ça peut être très festif. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ton parcours pour ceux qui nous regardent? Je dirais que bah, pour les gens qui intègrent en post-bac, il ne faut pas se décourager. Au début, ce n'est pas facile. Moi, je sais qu'en arrivant en première année, bah, ça reste quand même de la prépa intégrée, même si ce n'est pas la prépa comme on l'entend. Il faut s'accrocher, il faut y croire, et avec un peu de boulot, on finit par y arriver. D'accord. Donc il ne faut pas lâcher, même si parfois on a l'impression que ça risque d'être un peu difficile. Oui, c'est ça. C'est en fait, il faut juste trouver le bon rythme de travail, quoi. Ok, bah écoute, du coup, je te propose de rester sur le chat en direct s'il y a des questions. Et Pas de puis bah, problème. merci beaucoup pour ce témoignage, Lucie. Et De puis rien. au plaisir de te revoir à Gros Campus Ouest alors. Eh bien, avec plaisir. Merci. De rien. De rien. Et donc c'est vrai qu'on peut peut-être, avant de prendre notre dernier témoignage, on peut peut-être parler effectivement de cet accès en post-bac, donc qui est en prépa intégrée. C'est ça. Donc, alors avec trois de nos spécialités hein, Oui, tout à fait. qui sont concernées, horticulture, paysage et agroalimentaire, alimentaire, et donc qui sont des bataillons de respectivement 48 et 45 personnes. Qui sont finalement recrutés 48 pour Angers, 45 pour Rennes, hein, sur les parties respectivement horticulture, paysage et alimentation. Donc des formations qui sont très adaptées aux
dirais, aux attentes des étudiants d'aujourd'hui, aux attentes des entreprises d'aujourd'hui. J'en veux pour preuve ce que disait, par exemple, à l'instant Lucie, hein, donc un peu à l'image de ce qu'a dit Maëva aussi pour le diplôme d'ingénieur agronome, mais sur ce diplôme post-bac en agroalimentaire, on est à 100% de placement à 3 mois. De l'intégralité de la promotion. On n'a pas du tout eu d'effet crise Covid sur le recrutement. Enfin, c'est des profils qui sont attendus des entreprises et je peux dire que, sans galvauder l'affaire, qu'on a 2 à 3 voire 4 offres sérieuses de stage en fin d'études avec embauche à la clé, hein, qui sont proposées par étudiants. Donc c'est effectivement des métiers, j'ai envie de dire, qui ne connaissent pas la crise, parce qu'on a toujours besoin de manger, on a toujours besoin effectivement de produire. Et c'est des secteurs qui ont finalement un appel d'air en termes de cadre que n'arrivent pas à fournir les écoles du domaine. Et on peut peut-être préciser, parce qu'on a plusieurs places communes avec une école qui n'est pas très loin d'ici, donc qui est l'école Oniris à côté de Nantes. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut préciser peut-être, parce qu'on a des questions là-dessus On ouvre en 2021 20 places en cycle préparatoire, donc pour des étudiants qui feront à Rennes pendant 2 ans leur cycle préparatoire intégré, donc qui prépareront leur diplôme d'ingénieur agroalimentaire à Oniris en même temps que leurs collègues qui vont rester à Rennes pour notre diplôme d'ingénieur agroalimentaire. Donc Oniris, en fait, une école sœur, hein, qui est basée sur Nantes, qui recrute finalement directement en L3 après une prépa classique et qui complète finalement son recrutement en s'appuyant sur la capacité d'AgroCampus Ouest à former sur ces années L1, L2, post-bac. Hein, et donc 20 étudiants recrutés qui vont à terme rejoindre donc dans 2 ans, le cycle d'Oniris. Le campus d'Oniris qui est sur Nantes. Estelle, je voulais revenir aussi sur la dimension internationale de la formation. On en a eu deux illustrations par deux étudiantes qui, pour lesquelles l'international, ça a été une découverte d'autre chose, d'un interculturel, la découverte de soi sans doute aussi, et c'est totalement intégré au projet de formation et à la trajectoire professionnelle. Un 6 mois de stage au Danemark dans un pays qui est un leader de production porcine, ça a beaucoup de valeur pour ensuite en France s'inscrire dans une démarche de doctorat. De la même façon, on a parlé d'une entreprise qui est un leader mondial du lait. L'expérience qu'elle a acquise pendant ces 4 mois en Chine, ça a forcément aussi une grande valeur. Et pour nous, l'international, c'est pas une parenthèse, c'est une démarche obligatoire, certes, mais que chacun doit complètement intégrer à son projet personnel et professionnel. Et ça débouchera professionnellement tout de suite ou plus tard, ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment partie intégrante de la formation, complètement intégrante. Et très importante de la formation. Et donc indispensable. Donc on a Léo Petit-Didier qui nous attend. Bonjour, bonjour Léo. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, vous m'entendez? Du coup, oui, on vous entend bien. Bonjour Léo, merci d'être là avec nous. Alors Léo, quel a été votre parcours pour rentrer à AgroCampus Ouest? Alors moi, j'ai aussi suivi un parcours un peu classique, c'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique, spécialité SVT. Et à la suite de ce bac, donc mon dossier a été sélectionné à AgroCampus Ouest Angers pour passer un entretien. Donc je suis allé à Angers pour passer l'entretien. Et j'ai été ensuite sélectionné pour continuer l'aventure aussi pendant 5 ans. Voilà, donc une entrée directement, effectivement, avec une prépa intégrée pendant les 2 premières années. Voilà. Et qu'est-ce que vous occupez comme poste aujourd'hui, Léo? Alors là, actuellement, en fait, je suis embauché en CDD dans une agence de paysage, Mos Paysage, à Lyon, qui fait en fait de la conception jusqu'au suivi de chantier sur des projets qui vont être de l'aménagement public, soit pour travailler avec des mairies, aménager de l'espace public, mais également des projets privés avec des promoteurs, par exemple, pour aménager peut-être jusqu'à des écoquartiers et des choses comme ça, avec éventuellement des bureaux, pas que de l'aménagement au sol, hein, ça peut être l'aménagement sur des bâtiments aussi. Donc voilà, des choses assez variées, mais globalement dans l'espace public, quoi. D'accord, donc c'est un étude en fait, c'est ça, un nouveau
Je vous entends très mal. Alors, un bureau de conception et d'études, c'est ça? Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous avez... Donc, vous avez choisi comme spécialisation paysage, opérationnalité et projet. C'est ça. Donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre cette spécialisation? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ça? En fait, cette spécialisation, elle va être plus orientée vers l'aspect technique, en fait. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, comprendre vraiment comment fonctionnent les choses, aller dans le détail un petit peu, ce qu'on peut attendre d'un ingénieur. Ça va être vraiment sur l'aspect technique, donc sur la construction des éléments de conception. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait, et pouvoir être aussi proche du chantier, de la réalisation, autre que vraiment être que dans un bureau et concevoir à grande échelle. Moi, j'aimais bien être proche aussi du concret, de ce qui allait vraiment se faire sur le terrain. Donc, c'est une spécialité qui permettait de s'orienter là-dessus et de travailler vraiment sur l'aspect technique des choses. Ok, merci. Et quel est votre... quel est le souvenir que vous voulez bien partager avec nous sur votre vie à AgroCampus Ouest? Alors moi, comme Pierre Mabil a présenté avant, j'ai des très bons souvenirs de l'exposition florale. C'est quelque chose qui est vraiment important sur le campus d'Angers. Mais du coup, pour parler d'autre chose, moi, quelque chose qui m'a marqué aussi pendant mon cursus, ça va être l'association sportive, où en fait, j'ai entraîné l'équipe de handball de l'école pendant une petite partie de mon cursus. Et c'est quelque chose de vraiment formateur, vraiment intéressant. Alors, vu qu'on n'est pas forcément énormément sur le campus d'Angers, c'est des équipes qui vont tourner. Pendant quelques années, il y aura une équipe de handball. Et puis, quand les vieux vont partir, il y aura d'autres équipes qui vont se former. Mais c'est vraiment un univers. En fait, l'univers associatif de l'école est vraiment, vraiment passionnant pour beaucoup, beaucoup de domaines. Et le sport en partie. Oui, c'est vrai qu'il y a des... on n'a pas le temps de parler tous les aspects de la vie associative de l'école, mais c'est vrai que... Donc, on peut être étudiant et entraîneur, en fait, en même temps. Oui, c'est ça, exactement. Peut-être juste pour parler un petit peu rapidement de ce que je fais, en fait, en poste, parce que j'ai parlé du domaine de l'agence, mais moi, actuellement, en sortant de l'école, par exemple, là, je vais travailler essentiellement sur ordinateur, sur des logiciels. Donc, ça va être de Photoshop, Illustrator, AutoCAD pour concevoir les plans. Un petit peu de 3D aussi pour mettre en place tout ça. Et en fait, je vais assister la conception des projets sur des pièces graphiques essentiellement. Voilà. Et du coup, un conseil pour les internautes? Alors oui, pour revenir un petit peu, je suis assez d'accord sur ce que disait Lucie. En fait, moi, au début, les premières années n'ont pas forcément été évidentes. J'ai mis un peu de mal à trouver un rythme. J'ai eu un peu de mal à trouver un rythme de travail en poste, après le bac. Mais vraiment, il faut s'accrocher en fait là-dessus, parce que faut vraiment arriver à voir ce sur quoi on va arriver après, et rester solide des premières années, qui sont pas forcément évidentes. C'est beaucoup d'accumulation d'informations qui sont essentielles pour les compétences d'ingénieur, et être capable de gérer un poste d'ingénieur. En fait, les premières années vont être pas forcément évidentes, mais ça vaut le coup. Faut s'accrocher. Voilà, il faut, comme le disait Bruno la dernière fois, il faut pas avoir peur de la prépa, et ni quand c'est pas intégré. J'ai pas tout entendu. Non, je sais que manifestement le micro est pas très fort. Bon, merci beaucoup Léo pour le témoignage, et puis n'hésitez pas à rester sur le chat avec nous. Merci. Bien, merci à vous. Et donc, en conclusion, effectivement, on peut peut-être aborder l'aspect de la vie associative de l'école, qui est non des moindres, et dans tous les secteurs, avec quelques temps, enfin des temps forts normalement, un vrai plus à la formation. Alors, avant de répondre à ça, moi, je voudrais juste, là, on a eu un très bel exemple de l'ingénieur qui est à l'interface d'autres métiers. Des urbanistes, des architectes, des aménageurs, des décideurs publics, des habitants. Et il a des compétences propres en tant qu'ingénieur, parce qu'il sait, entre guillemets, calculer un projet de paysage dans toutes ses dimensions, dans toutes ses contraintes, tout en faisant quelque chose de beau, de bien conçu, agréable pour les habitants et les financeurs.
Et ça en est une belle illustration de cette particularité-là. De... Alors, quant à la vie étudiante, il y a sur l'école plusieurs dizaines d'associations, elles-mêmes composées de différents clubs, qui traitent de culturel. Il y a des clubs théâtre, il y a des groupes de musique qui traitent de sportifs, et a priori tout sport est praticable, et on est par exemple pas très loin de la mer, donc il y a aussi le nautisme. On a également des associations à caractère professionnel très marqué, des juniors entreprises et d'autres. Et puis, bien évidemment, la dimension festive qui rythme aussi la vie des campus. Et on a une attention très particulière à ces activités festives parce qu'elles font partie intégrante de l'école, de la vie de l'école. Pour autant, elles doivent être réalisées dans le respect des personnes et des biens. Et donc, ça doit être quelque chose de bien réalisé, bien maîtrisé. Et sous contrôle des associations et sous la responsabilité des dirigeants des associations qu'on appuie, qu'on encadre, qu'on soutient. Voilà. Oui, on a des dispositifs de prévention. Et avec des dispositifs de prévention très, très forts. Et on fabrique du fromage, on fait plein de choses. Oui, on a même des trophées d'innovation alimentaire hein, qui sont aujourd'hui finalement... hébergé, repris par les pôles de compétitivité qui nous entourent et qui assurent finalement cette remise de diplôme aux différents, différents candidats hein, à l'innovation. Donc des choses qui peuvent être très sérieuses, des choses qui peuvent être en apparence moins sérieuses. Mais une ingénieure, ça reste une femme, un homme et on a besoin de lui permettre de grandir dans toutes les directions. Et j'ai eu cette chance de faire cette école il y a maintenant quelques années et je me souviens encore effectivement de ces expériences-là de façon très aiguë hein, parce que je crois que ça marque durablement les personnalités et les personnes. Voilà. Bah, écoute, merci pour ce mot de conclusion. Hein. Je pense qu'on peut... Bruno, est-ce que tu veux compléter? Je pense qu'on pas mieux. On peut difficilement faire mieux là, avec à la fois le parfait ancien élève et non parfait, je sais pas, ça c'est toi qui le dis. Donc merci beaucoup pour d'avoir suivi ce live et puis on vous invite à aller à partir de maintenant sur les salons virtuels qui ouvre et qui donc vous trouverez les adresses dans la barre d'infos sous le live. Il y a des salons d'orientation si vous ne savez pas trop vers quoi vous vous dirigez et puis des salons plus spécifiques et évidemment des questions sur toutes les réponses à vos questions sur les admissions où vous pourrez retrouver Bruno et Romain. Merci beaucoup.